Je suis Julie, j'ai 22 ans, j'ai joué le rôle de la société. Alors, c'était une surprise de voir qu'il y avait un rôle comme celui-ci dans le Breakfast Club de la version de Mélissa. Parce que, à la base, donc c'est tiré d'un film qui date des années 85 et il n'y a pas ce personnage. Et je me disais, ce personnage, il apporte vraiment la noirceur qui va envahir les pensées des personnages, qui vont les pousser à se comporter mal entre eux, à vouloir se faire du mal, à se faire du mal à eux-mêmes aussi, d'avoir une mauvaise opinion d'eux-mêmes. Et par sa présence, je ne sais pas ce que ça donne à l'extérieur, mais je pense que ça doit donner un grand poids. On m'a souvent fait la remarque que j'arrivais à donner une sorte de présence, mais en même temps à m'absenter. Donc je ne sais pas ce qu'est en fait cette nuance, je ne l'ai jamais vue en tant que spectatrice. Et donc c'est pour ça que j'ai vraiment hâte de voir la captation en vidéo. J'ai bien aimé jouer ce rôle, parce que ça m'a permis d'exprimer une partie de moi que je ne peux pas forcément exprimer tous les jours. Et ça fait du bien, simplement. Le fait de se détacher de ses pensées, de se détacher des croyances, ça c'est un parcours très dur hein, pour chacun de nous. On grandit avec une certaine éducation et il vient un âge ou un moment dans notre vie où il y a tout qui est basculé, tout ce que l'on croyait se brise et ça brise une partie de nous. Et j'aimerais dire que ce que l'on croit, ça fait pas, ça nous définit pas. On est libre de se remettre en question, en doute. Ça changera pas, ça changera pas qui on est. Au contraire, on évoluera vers une meilleure version de soi.